commun à tous là, sur ce plateau ce soir, cette capacité à pouvoir interagir par la langue et le langage. Ces enfants présentent une altération massive du langage et c'est ça qui va les rendre, c'est la société qui ne les comprend pas, qui va générer le handicap. D'abord, peut-être en préambule, insister sur la différence entre intégration et inclusion. L'intégration, c'est la personne en situation de handicap qui doit faire l'effort pour s'intégrer dans le milieu qu'on va la société école, le milieu donc, dans lequel il souhaite s'intégrer. Mais on parle beaucoup plus maintenant d'inclusion. Et maintenant, l'environnement, c'est l'école qui doit s'adapter à l'enfant. Et ce n'est plus l'enfant à faire l'effort de rentrer dans le moule. Alors, l'inclusion, c'est quand même une histoire ancienne, ça, hein, puisque ça remonte à 1975, hein, la première loi qui est parue, avec les circulaires de 82, de 83. Et c'est vraiment la loi du 11 février 2005, hein, sur l'égalité des chances, qui a acté et qui a mis en priorité l'inclusion des enfants dans leur école de quartier. Ce qui est aussi une richesse, c'est pour les enfants ordinaires de côtoyer des enfants extraordinaires. Et jusque l'année maternelle de Lina a beaucoup apporté sur les enfants ordinaires qui gardent une image positive parce que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain et qui pouvaient avoir cette image vraiment positive d'une enfant joyeuse. Et du coup, casser un petit peu cette image néfaste qu'on peut avoir aujourd'hui encore de handicap. J'ai toujours fait ma scolarité dans le milieu classique. Je n'ai jamais fréquenté de classe adaptée, mais j'avais des intervenants qui m'ont permis d'avoir jusqu'à un BTS, donc ce qui est quand même pas mal, étant donné des problèmes qu'on disait que j'allais avoir à mes parents. C'est vrai que tout le monde n'est pas scolarisable. Moi, j'ai eu cette énorme chance de pouvoir tout faire dans le système classique. Mais malheureusement, il ne faut pas confondre, à mon sens, scolarisation et sociabilisation, qui sont deux choses différentes. Une place économique, un ESAT est générateur de valeur et participe à la richesse nationale. Donc, c'est du travail comme les autres. Donc, le CAPS, nous avons un ESAT qui regroupe 280 personnes avec des métiers comme les espaces verts, l'entretien de locaux, un certain nombre d'opérations, sous-traitance, différentes choses. Ça veut dire que les personnes doivent être accompagnées et elles ont non pas un contrat de travail, mais un contrat d'aide par le biais du travail, d'aide sociale par le biais du travail. Et donc, on est en permanence en train de les accompagner dans leur inclusion sociale et dans leur capacité à surmonter les difficultés qu'ils ont. Et puis, en même temps, de leur demander de remplir des missions comme n'importe quel salarié dans n'importe quelle entreprise. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce que demande Sophie Cluzel aujourd'hui avec force, des fois avec un peu trop de force à mon avis, mais avec force en tout cas, il faut peut-être que ça pour faire bouger les lignes, c'est que le monde de l'ESAT doit s'ouvrir de plus en plus sur l'extérieur. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes en ESAT vont pouvoir aller dans des entreprises ordinaires. C'est pas, là non plus, ça n'est pas possible, vraisemblablement pour certains d'entre eux, parce qu'il y a des freins trop forts. Mais il faut qu'on puisse avoir des emplois qui soient fenêtres ouvertes sur le monde extérieur, même si on continue à être géré comme un ESAT. Je prends l'exemple, là, au CAPS, on a un projet très ambitieux dont certains ont déjà entendu parler, qui est en route hein, aujourd'hui, c'est de reprendre le château de Brabois, pour ceux qui connaissent, qui était un restaurant assez connu dans la métropole, et qui, début 2023, sera ouvert sous la forme d'un ESAT, donc géré par le CAPS, et qui offrira des services, un restaurant qui se voudra être un restaurant gastronomique, une brasserie, différentes sortes d'hébergement hôtelier, habitat inclusif, tout cela avec une quarantaine de personnes, une trentaine de personnes en situation de handicap. Et alors, pour évoquer la compagnie des aidants, elle a été fondée par Claudie Culac, qui a aidé sa tante pendant de longues années, qui travaillait, donc elle était dans la position de salarié aidant, qui est aussi un autre volet, est un enjeu économique et sociétal absolument majeur. Donc, la compagnie des aidants est un réseau d'aidants qui propose par divers canaux des réponses ressources. Il y a des bourses de matériel qui peuvent s'échanger à des prix quand même moins importants que ceux sur le marché, des psychologues écoutant dans les situations de vie que traversent les aidants, des vidéos très interactives qui permettent
aux aidants de posturer la personne aidée quand on se retrouve face à des personnes très âgées ou des jeunes polyhandicapés. Ce sont des gestes que nous ne connaissons pas. Être aidant, c'est un métier. Or, on apprend tout de façon empirique. Et donc, ce concept MyExtraBox qui est gratuit se compose d'une box, donc une petite valisette comme celle-ci, hop, qui est entièrement fabriquée, mise sous pli et envoyée par les travailleurs en situation de handicap via les ESAT, donc qui est remise aux professionnels de santé pour les familles, donc via tous les lieux qui accueillent les familles. Ça peut être le plus tôt possible, donc dans les maternités, mais également dans les centres de rééducation, les IME, les hôpitaux, qui a pour objectif, comme on dit, de rassurer les familles. Donc c'est la main sur l'épaule. On y retrouve des éditoriaux de personnes qui nous accompagnent, simplement leur dire vous n'êtes ni les premiers ni les seuls à vivre cette épreuve. On a eu la chance de rassembler toutes les grandes associations nationales qui ont du handicap, telles l'APF, l'UNAPI, la Fédération des sourds, les IMC, c'est-à-dire tous les grands types de handicap. Et puis, donc, il y a ce site internet qui est intuitif, qui va apporter les familles en anticipant les différentes étapes sans violer la souffrance des familles. L'objectif étant vraiment de simplifier l'accès à l'information sans réinventer ce qui a déjà été créé, puisqu'on renvoie vers les sites officiels, institutionnels qui existent déjà. On simplifie l'accès à l'information et on essaye d'automatiser des rappels. Et puis, on a ce qui est aussi important et qu'on n'a pas eu le temps d'aborder puisqu'on ne peut pas tout aborder, c'est l'application mobile qui a d'une part un carnet de suivi. On peut noter les crises d'épilepsie, le sommeil, les traitements, etc. Et surtout, un système de géolocalisation qui va permettre aux familles de sortir de l'isolement puisque le handicap isole et l'isolement crée un surhandicap. On l'a vu, l'attente des acteurs du monde du handicap est grand, mais à la fois simple à la fois. C'est-à-dire encore plus de respect, encore moins d'indifférence, un regard, une main tendue, une attention, un petit mot. C'est autant d'éléments qui peuvent donner de la force à celles et ceux aidants, accompagnants, mais aussi les personnes jeunes ou moins jeunes souffrant de handicap. On l'a vu également, le souci est de ne pas et de veiller à décloisonner au maximum pour ouvrir. Alors les espaces dédiés aux acteurs handicapés, les espaces dédiés aux enfants, aux adultes souffrant de handicap, les ouvrir sur la société, les ouvrir sur la ville. Et là, les uns et les autres, partenaires institutionnels, acteurs associatifs, collectivités, élus bien entendu, mais aussi entreprises, ont leur rôle à jouer pour ce fil important, pour cette mise en lien en constance qui permet d'ouvrir et qui permet de décloisonner. Enfin, et on l'a vu à travers cette émission, combien la sensibilité est grande. Elle touche même des limites très fortes auxquelles on n'est pas habitué classiquement dans nos petites vies. Il faut utiliser cette émotivité, il faut utiliser cette richesse émotionnelle pour justement à la fois s'en inspirer, à la fois s'ouvrir et à la fois nous permettre les uns et les autres d'être meilleurs dans nos vies professionnelles, dans nos vies personnelles et puis dans nos vies avec les autres tout simplement. Et je crois que ce soit toutes celles et tous ceux qui entourent les enfants, qui entourent les adultes handicapés, mais aussi eux, avec leur extrême chaleur, avec leur extrême générosité, permet en tout cas de contribuer à un monde, à une société meilleure, où ils fassent bon vivre, où le vivre ensemble tient enfin toute sa place.